architecture et la poussée. Voilà. Donc Valérie, à toi. L'entrée dans l'Anthropocène, directement liée à la phase intense d'urbanisation de la planète qui a débuté après la Seconde Guerre mondiale. Cette hypothèse reprend celle dite de la grande accélération, une théorie qui a été édictée en particulier par... Je reprends cette théorie de la grande accélération donc, qui a été posée et documentée scientifiquement par Will Stephen. Mais donc, cette hypothèse se focalise sur une part explicative souvent minorée par les études anthropocènes, c'est-à-dire le rôle effectif de l'urbanisation généralisée et des bouleversements géographiques, économiques, sociaux, culturels et politiques qui l'accompagnent. Ça, c'est un extrait de la Cour publique de Michel Busseau, donc géographe. Et directeur de l'école urbaine de Lyon, professeur à l'ENS à Lyon. Vous verrez plus tard dans le slide, il y a les graphiques de Will Stephen et le rapport fondamental. Je fais le commentaire tout de suite, je fais un peu les choses dans le désordre, Jérémy, tu m'en excuseras. Voilà, merci. C'est qu'en fait, lui et son équipe, hein, évidemment, puisqu'il n'est pas tout seul, comme tous les chercheurs, mettent en corrélation en fait, des données socio-économiques et des données biophysiques. Et en rapprochant ces données au regard de temporalités qui sont rapprochées, il se rend compte qu'en effet, depuis le début du XXe siècle, il y a une accélération de l'interaction entre ces phénomènes, c'est-à-dire les activités des humains et ce qui se passe en termes de géophysique sur la Terre, et il note une accélération, une grande accélération après la Seconde Guerre mondiale, et qui n'a eu de cesse de s'arrêter depuis. Ce qui lui fait conclure, et qui a été ensuite entériné par toute une série de chercheurs, et le GIEC, qui viendra prendre son dernier rapport, ne le démentit pas, c'est-à-dire le fait que les activités humaines amènent à changer, à agir sur le système Terre, dont les conséquences, vous les connaissez, sont les conséquences, en tout cas parmi les plus visibles, climatiques, sur la biodiversité, j'en passe, et des meilleures. Voilà. La question, vous pouvez le voir, en fait, finalement, cette crise d'habitabilité qu'on est en train de traverser à cause, finalement, de l'impact des activités humaines. Hein. Le mot anthropocène est un terme qui sous-entend, qui a été conçu au départ par Paul Crutzen, sur la question de l'ère géologique, c'est-à-dire l'homme est une force agissante sur le système Terre, si bien qu'on a changé d'air et qu'on va avoir un impact sur l'entièreté de la surface terrestre. On va pouvoir voir l'impact de l'homme sur l'entièreté du globe. Même si la couche est très très fine, on va comprendre notre impact. Nous, dans le point de vue climatique, l'Anthropocène devient un outil de recherche et de réflexion pour prendre en compte le phénomène avec l'impact de nos activités. Donc, quand on montre ces différents graphiques et cette période de la grande accélération qui est notoire et qui est juste visible, et qui a été visible sous nos yeux depuis notre enfance, et ce, pour tous les gens qui sont présents ici, on le regarde dans les livres d'histoire, on voit effectivement ces courbes qui montent, mais on ne les met pas toutes en corrélation, et toutes à côté des unes à côté des autres, pour se rendre compte qu'effectivement, on a un phénomène d'accroissement du phénomène
et qui est systémique et en interrelation sur l'entièreté du globe. Bien souvent, la petite carte qui est en bas à droite et qui est ici est présentée, c'est d'amener les enjeux sur des enjeux qui sont rapportés bien souvent à des pays ou à des lieux. Or, l'anthropocène et les enjeux qu'on traverse sont transfrontaliers. Ils traversent le monde et ils traversent la totalité de la sphère. Et si on regarde cette carte sur l'impact finalement des pays émergents, comme on l'entend bien souvent sur la Chine ou d'autres pays, on se rend compte que le rapport à la population fait que finalement leur impact est relativement moindre par rapport à une véritable intensification qui est encore fortement présente dans les pays occidentaux et américains. Donc tout ça pour vous dire que pourquoi nous le prenons comme un phénomène urbain, c'est de prendre en compte la donnée fondamentale qui a été un basculement, c'est-à-dire il y a plus sur l'entièreté de la planète d'urbains que de ruraux, et cette transformation, elle s'est faite dans tous les territoires du monde, de manière assez systémique. Bien sûr, ça se déplace et ça n'a pas la même intensité, la même vigueur dans un pays plus qu'un autre, mais imaginons le moment où, bien sûr, cette grande accélération liée finalement aux années 50, au moment où la Chine va encore vivre un grand boom au niveau de sa population. Je vous montre ces trois images de Shanghai comme exemple. À imaginer qu'une ville au 19e siècle recevait 300 000 habitants et qui était principalement ce qu'on appelait et ce qu'on appelle encore la vieille ville, même si très peu d'éléments sont encore vieux, 300 000 habitants au 19e siècle, au 21e siècle, on est à plus de 24 millions d'habitants sur le même territoire. On a monté de 24 millions par rapport à 300 000. Donc c'est une accélération qui est notoire, et entre-temps, on va avoir ce passage au moment des premières enclaves semi-coloniales qui sont produites à Shanghai entre le milieu du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle, une évolution de 300 000 à 3 millions d'habitants. C'est-à-dire que quand on va se retrouver dans les années 30 à Shanghai, la ville s'était déjà fabriquée tout un tissu urbain qui s'appelait les Lilong ou des quartiers anciens, qui s'adaptaient à la population grandissante à une vitesse telle qu'on pouvait avoir 1 million de plus d'habitants en une période de 10 ans. Donc, il faut imaginer l'impact effectivement architectural, parce que vous êtes architecte, on est dans une école d'architecture et c'est le sujet, mais malgré tout, les répercussions sont systémiques et en relation avec le territoire rural, avec le territoire étendu et avec toutes les autres disciplines telles. Pour en arriver à une évolution spatiale à partir de la réouverture, où là, des millions de mètres carrés ont été construits en béton, avec une assurance de construction sociale, de passer de 4 mètres carrés par habitant dans les années 80, 4,7 mètres carrés par habitant en moyenne, à 17 mètres carrés par habitant, en multipliant sa population par 3. Donc on multiplie le nombre de mètres carrés, on multiplie la population qui va se densifier dans les villes et on va créer des pôles d'attraction et une diffusion du phénomène urbain de partout dans les villes chinoises, et ce, à l'échelle mondiale. On a pu le voir, l'impact de l'anthropocène et notre interrelation au niveau mondialisé, rien qu'en évoquant le phénomène de Wuhan est arrivé à notre porte, et finalement, il nous a touchés directement. Il nous touche tous directement en partant d'un petit marché de Wuhan. Ça montre bien notre interdépendance et notre interrelation avec les éléments les plus microscopiques qu'on imagine. Tout ça pour vous dire que le phénomène des villes et de mondialisation, elle est partout. On le voit, ces villes émergentes, notamment dans les pays d'Asie et dans les pays africains et d'Amérique latine, qui sont des villes qui sont en forte croissance et qui atteignent des seuils allant de plus de 5 à 10 millions d'habitants, d'un nombre de villes que vous ne connaissez même pas le nom de manière générale. Pour beaucoup d'entre elles, on oublie, on ne connaît pas ces métropoles, mais elles jouent un rôle fondamental dans les attractions et diffusion systémique, c'est-à-dire construire du béton, construire, il va falloir une masse élémentaire pour construire un système. Donc voilà un peu les enjeux de l'anthropocène que nous abordons à l'École urbaine de Lyon, que nous allons vous présenter d'un point de vue très pragmatique à travers finalement l'exemple architectural. Et nous avons ainsi décidé de l'aborder par la question de la transmission. Sur la question de la transmission, on va dire que l'objectif, pourquoi parler de transmission ? C'est que l'impact de ce que l'on produit maintenant, l'anthropocène nous a donné cette vision que tout ce que l'on fait est une chaîne de rétroaction dans le futur. Tout ce que nous faisons, toutes les décisions que nous prenons maintenant, elles ont déjà un impact sur dans 50 ans ou 100 ans. C'est une, en quelque sorte une nouveauté
pour nous de reprendre en considération que tous les actes qu'on fait, peu importe ce qu'on essaye de réduire, il faut savoir que c'est trop tard déjà pour tout ce que nous faisons au quotidien sur ces boucles de 100 ans. Les gaz à effet de serre, la production de microparticules, notre production de CO2 de manière générale. Oui, on fixe la moyenne, en gros, les géologues fixent la pollution, par exemple, avec lesquelles nous vivons aujourd'hui, ont été produites, sont issues d'actions qui se sont déroulées il y a 50 ans. Donc, les choix que nous faisons aujourd'hui, individuellement, collectivement, bien sûr, auront un impact dans 50 ans. Donc, ça, c'est important de l'avoir en tête. Et 50 ans, c'est très peu. Et ça paraît parfois énorme, mais c'est très peu. C'est en gros une demi-vie humaine pour ceux qui vivent son centenaire, et il y en a de plus en plus, mais en tout cas, c'est un bon tiers d'une vie humaine. Donc, une vie humaine, c'est pas. Cette question, effectivement, de la temporalité est compliquée, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a tant de mal politiquement à convaincre, puisque vous avez remarqué que les temporalités de l'action politique ne sont pas celles des temps du climat en particulier, par exemple. Juste engager finalement la conversation sur cette question de la transmission et de vous ramener à un autre sujet. On peut parler également des enjeux locaux et on le retrouve bien sûr dans les actes. Il faut imaginer qu'elles seront dans notre eau pendant plus de 100 ans. Donc, on aura beau arrêter un système, hein, tout ce qui a arrêté perdurera dans notre système d'eau que l'on ne peut pas forcément filtrer de manière. On ne peut rien changer. On ne pourra pas changer cette situation. C'est la situation. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de changer. Nous ne sortirons pas de l'anthropocène. Nous sommes dans réduire les effets, mais nous sommes dans l'anthropocène et notre impact. Et effectivement, il se posera à différentes questions. Donc, pour commencer, on souhaite vous prendre une citation d'une chercheuse avec qui on travaille, qui s'appelle Linda Kuzela, qui travaille à Ottawa, qui a écrit un livre qui s'appelle Ecodidactism in Art and Architecture. Et elle va préciser ainsi: To better comprehend a new form of explanatory discourse, we need to explore the way in which eco messages are delivered between ecodidactism and ecodialectism, qui est très intéressant dans la vision de la transformation en fait en quelque sorte du monde. C'est qu'on va avoir de plus en plus de développement, de réflexion sur la nécessité d'une dialectique et d'une transmission de connaissances ou de messages qu'on va faire passer sur l'emploi d'une telle architecture et de faire lire en quelque sorte les effets de ce que nous produisons. C'est-à-dire quel message souhaitons-nous donner quand nous produisons de l'architecture, et on va retrouver cette question de l'architecture comme un média central qui va interroger et qui en même temps va poser la question d'un élément didactique qui puisse être lui-même récupéré, saisi, compris. Comme ce que le disait Valérie il y a un instant, la question de sentir l'effet de ce qu'on produit, c'est très, très difficile et souvent comprendre finalement ou finalement l'impact de l'architecture sur ce phénomène-là, on n'arrivera pas forcément à le saisir avec notre sens humain, comme on pourrait le saisir en disant, ben, il y a eu l'explosion d'un volcan et vous voyez tout le sens de cela qui bloque tout le système. Là, on comprend. Et si on vous dit qu'en fait, à chaque fois, quand on fait ça, c'est multiplié par 9, par cette explosion de volcan, on arrive plus ou moins à l'imaginer. Mais, en quelque sorte, c'est invisible. Oui, vont essayer de travailler ces métaphores-là pour nous les faire saisir. Donc, on va commencer par une série qu'on appelle Transcender. Donc, transcender, c'est dépasser en état supérieur d'un autre ordre, c'est se situer au-delà, transcender la réalité. Parce que l'objectif ou la question de ce didactisme ou cette manière de voir qui va pouvoir nous amener notre lecture, c'est ça passe par finalement perturber, bousculer, transformer, adapter. Et le premier exemple qu'on vous propose, c'est Bobo. Pareil de 50 ans, on disait c'est long et c'est court. Voilà, ça c'est un projet qui a 50 ans, puisque le concours
date de 71, 1971, donc si mes calculs sont bons, même 51 ans. La livraison du bâtiment, donc concours gagné par Renzo Piano et Richard Rogers, s'est fait en 77. Et c'était un bâtiment tout à fait novateur parce qu'il répondait à deux questions qui n'avaient pas été posées jusque-là en architecture, qui étaient des questions de trans, non pas disciplinarité, mais en tout cas transusage, puisqu'il fallait en un seul lieu répondre à plusieurs typologies d'usage, de besoins, etc. Et puis, c'était la question de la flexibilité. Et ensuite, le génie de Piano et Rogers a fait le reste, c'est-à-dire en fabriquant ces immenses plateaux et en rejetant en façade tous les usages, notamment interstitiels, de circulation et autres, et à fabriquer une esthétique tout à fait nouvelle. Autre nouveauté aussi à l'époque, c'était de comprendre qu'on était dans un contexte qui avait été détruit, puisque je rappelle qu'on est dans un des quartiers les plus anciens de Paris, mais qui avait déjà des... à l'entrée du Marais, on avait déjà eu pas mal de destructions, avec cette grande piazza italienne, peut-être que c'est ce que je souhaitais, et qui permettait de glisser à l'intérieur du bâtiment sans seuil, enfin qui permet d'ailleurs de glisser dans le bâtiment sans seuil, puisqu'en fait c'est un espace public qui se poursuit à l'intérieur de l'espace. Donc tout ça pour dire que par rapport à l'introduction un peu terrifiante qu'on a faite, mais en même temps se plonger dans la réalité c'est toujours pas mal pour commencer. À chaque époque l'architecture a des réponses. Il y a plusieurs réponses, il n'y a pas une réponse, il y a plusieurs réponses. Et en tout cas, Piano et Rogers, avec ce bâtiment, peut-être parce qu'ils étaient très jeunes, ils avaient une trentaine d'années, se sont sentis extrêmement libres de répondre un peu à l'avant-garde de leur époque, qui, je le rappelle, le président de la République de l'époque était Valéry Giscard d'Estaing, les amateurs de château, donc le centre. Ce qui est intéressant par rapport à la question d'actifs, enfin, le message qui peut être apporté, c'est cette question de la maintenance et de finalement la transparence de tous les systèmes techniques qui sont mis en place. On revient sur le côté didactique des réseaux de gaz, d'électricité, de ventilation. Le bâtiment ne mentira pas et tous ces tuyaux, toutes ces circulations rejetées à l'extérieur sont des espaces que l'on peut maintenir et qu'on comprend. C'est-à-dire qu'on va comprendre la réalité machine d'un tel édifice. Sans pour autant dire que, bien sûr, on peut critiquer tout le système d'ingénierie dans ce bâtiment. Ce qu'il a de fort et ce qui restera fort, c'est cette transparence qu'il sous-entend à travers le fait qu'il renverse complètement son. Alors là, vous reconnaissez, hein, c'est pas la tour Bois ou Prêtre, c'est le projet à Bordeaux donc de la Caton Vassal et de Frédéric Toulou, et de Christophe Hutin y a participé également, je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc là, c'est un peu un projet qui répond au mantra de la Caton Vassal, qui est l'idée d'augmenter, c'est-à-dire de ne pas détruire, de faire avec l'existant, et plutôt sur les questions de logement d'ailleurs, parce que j'ai cité deux projets de logement, et d'ajouter. Hein, c'est comment je soustrais au minimum et en même temps j'ajoute, sachant que l'idée c'est d'ajouter du confort, hein, une amélioration de qualité de logement, et en plus tout ça avec une situation un peu particulière, puisque les habitants sont sur site pendant le chantier. Hein. Il y a une difficulté supplémentaire et en même temps une interrelation intéressante, on parlera plus tard, sociale. Donc voilà, donc ce qui est très fort dans ce projet-là ou dans les projets, c'est de même considérer des éléments comme des bâtiments sociaux construits en béton qui ont des impacts forts, on va dire, au niveau de la production de CO2, comme des éléments qui sont existants et que détruire n'est pas forcément le choix à mettre en avant. Et pour la blague, imaginons que Anne Lacaton et Jean-Pierre Vassal aient eu le Pritzker l'année dernière, et qui peut être utilisé finalement sur l'emploi d'une architecture qui va utiliser des matériaux du plastique. Toutefois, l'importance du message de Lacaton Vassal restera vraiment cette excavation qui est fabriquée sur les squelettes existants en béton qui couvre le monde. Et
et qui ont déjà constitué une majorité des carcasses de ce monde. Et l'autre exemple, du coup, qui parle pour nous de cette question de transcender le programme, comme vous voyez, on en est là à poser la question programmatique, à poser la question d'un architecte qui doit faire en fonction d'un programme qui va être détaillé ou en fonction de stage ou en fait quelque chose qui systématiquement se doit d'être capable d'évoluer avec les situations. Et le projet de Liu Jiakun, qui est West Village à Chengdu, va réutiliser, pareil, ces mêmes carcasses que vous avez pu voir au projet précédent, mais il va les regrouper et il va les ouvrir et s'adapter. Une des forces, finalement, constantes des éléments dans l'Anthropocène, c'est de ne jamais avoir de degré de fermeture sur des possibles. D'avoir toujours ce système d'ouverture qui va permettre de questionner et d'interroger, finalement, la capacité d'un lieu encore à récupérer ou à transformer ses usages. Et ici, effectivement, on est sur un projet, on va dire, regroupant. Hein, mais ce regroupement d'une architecture soviétique, en quelque sorte, qui va être fait pour des logements sociaux, d'un seul coup, va devenir un élément de cohésion sociale, groupé, transformé et adapté avec les nouveaux usages contemporains. Pour finir sur cette question de transcender, effectivement, comme vous voyez souvent, on a parlé de récupération, de transformation ou d'adaptation de l'architecture, mais il faut ici imaginer que déconstruire n'est pas un élément négatif, en tout cas dans les enjeux que l'Anthropocène sous-tend. Parce qu'on peut déconstruire de l'obsolescence. Et notamment dans ce projet de Tainan Spring de MVRDV, l'intelligence et la force du projet, ça a été de prendre un centre commercial en plein centre de Tainan, qui va être rénové. On se pose souvent la question de comment réhabiliter des tiers-lieux et en faire des espaces fantastiques. Ici, l'idée, ça a été de créer à nouveau un espace public. Et ils ont enlevé le superflu de la structure, enlevé la structure du centre commercial qui était un centre névralgique commercial, qui quand même était un échec dans la ville de Tainan. Ils le réouvrent au public, ils le réouvrent à l'élément de l'eau qui est très présent dans cette ville, et lance une idée de travailler effectivement également sur tout un système qui va traiter l'eau, qui va questionner la présence des plantes et en quelque sorte soigner l'environnement humain et social. C'est-à-dire que c'est un endroit dans lequel on peut accéder, comme on voit à travers cette image qui certes est une très belle photo de Daria Scagliola. On voit notamment quand même l'effervescence d'un quartier où imaginez que fortement, densément peuplé, qui d'un seul coup va vous offrir un nouvel espace de rencontre, un lieu où vous ne l'avez pas, ouvert à l'eau et à des nouveaux usages qui, d'un seul coup, vous rapprochent à ce que sont les éléments urbains. C'est très intéressant, cette perte que l'on peut avoir de la sensorialité dans les espaces urbains appliqués de par le monde. Ici, dans ce projet-là, on va retrouver du toucher. On touche la terre dans un espace hautement urbain, tout en respectant, bien sûr, le côté architectural. Qui est ici comme témoin et en même temps outil de déplacement. Donc voilà, l'autre pan que c'est la transmatière. Oui, vous êtes architecte, donc cette question de la matérialité et d'y réfléchir et de se dire avec quoi on fait, je dirais que un des problèmes de l'architecture, dont on sait qu'elle est en crise, mais ce qui dans ma bouche est plutôt positif, parce que qui dit crise dit nécessaire re-questionnement, donc ça c'est bien, ça c'est toujours bien. Elle est en crise en particulier, pourquoi ? Parce que le secteur du BTP repose sur ce qu'on appelle l'extractivisme. Et un extractivisme mondial qui est accompagné d'un déficit social, sur tout le parcours de la matière. Donc, je rappelle que le BTP, ce secteur-là mondial, hein, représente encore 38% des émissions totales de CO2 hein, liées à l'énergie et 35% de la consommation d'énergie finale. Donc, qu'est-ce que c'est l'extractivisme ? C'est considérer cette planète comme une mine, hein, une mine, mais une mine qui est épuisable. Et donc cette attitude, c'est l'héritière des logiques économiques prédatrices, et je pèse mes mots, c'est prédatrice sur les environnements et les hommes d'ailleurs, et les ressources bien sûr.
Et donc, ces ressources surconsommées, donc il ne faut pas oublier que leur captation se fait majoritairement dans des conditions sociales indignes, au moins à leur source, qu'elles détruisent des écosystèmes, concernent l'ensemble du monde du BTP. Et donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont les minerais, c'est le pétrole, le sable. Souvent, on a du mal à parler du sable, mais c'est la deuxième ressource naturelle la plus exploitée au monde après l'eau. Hein. Je rappelle que pour faire du ciment, c'est composé de 2 tiers de sable. Hein. À bon entendeur, c'est quand même une vraie question. Donc partout, si nous ne rendons pas les bâtiments plus efficaces en énergie, leur consommation énergétique croissante aura un impact sur nous tous, hein, partout sur la planète. Que ce soit sous la forme d'accès limité à des services énergétiques abordables, on l'a vu d'ailleurs, je crois, il y a un an ou deux en Afrique du Sud, par exemple, ou une qualité de l'air médiocre, ou des factures d'énergie plus élevées, et ce n'est pas le conflit, la guerre actuellement en Ukraine qui nous fera oublier ces effets. Et puis, au bout de la chaîne, on produit des déchets. On produit des déchets. Si je prends les activités du BTP juste en France, elle génère à elle seule plus de 227 millions de tonnes de déchets par an. Mais parmi ces déchets, parce qu'il faut quand même être un tout petit peu, non pas optimiste, mais en tout cas imaginer des solutions, certains sont en réalité des ressources. Hein. C'est un peu ce dont on a parlé juste avant, hein, ce dont Jérémy parlait, des ressources. Donc en réalité, une partie des déchets sont des réserves négligées. Hein. Donc, je te laisse enchaîner sur le métabolisme. Des déchets négligés revient au départ finalement de la définition du déchet. C'est très intéressant de revenir sur la définition. Ne plus être responsable d'un objet et finalement lui faire perdre son statut quand on va mettre un objet dans une poubelle, eh bien on va juridiquement abandonner un objet qu'on va reléguer à la collectivité et qui va être géré à travers cet objet appelé poubelle suite à la suite poubelle qui a mis en place ce système. Et qui va transporter un nombre d'éléments qui vont devenir des déchets, qui vont être traités. En architecture, c'est pareil. On va d'un seul coup prendre un élément, enfin, on va déconstruire les trucs. Si on les mélange tous ensemble, on va considérer ça comme des déchets. On peut les nommer gravats, on peut les nommer différents. Mais finalement, une porte cachée restera pendant la période de définition de cet objet. Eh bien, c'est des questions de définition des objets. Et la manière dont l'abordent certains chercheurs, dont notamment Romain Garcier, qui est géographe à l'ENS et qui travaille avec nous, enfin qui est intervenu à l'École urbaine de Lyon, se pose la question de la prise en compte des métabolismes à l'intérieur des systèmes urbains. Donc, comme il le dit, la question du corps des villes devient une question politique à l'ère de l'Anthropocène. Nous devons, à partir des villes, réfléchir au métabolisme que nos modes de production et de consommation, que nos modes de vie mobilisent. Nous devons réinvestir et réinventer le corps des villes en suivant les méandres des voies métaboliques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se poser la question des flux et des mouvements de matière. On est sorti dans ces visions, on va dire, historiques, comme on en parlait, des corps avec l'évolution dans son ouvrage Flesh and Stone, un parallélisme sur l'usage du corps et le voir dans tous ces fonctionnements-là, jusqu'à considérer finalement les espaces urbains comme des espaces vivants et qui sont complètement interreliés avec les espaces ruraux et qui sont interdépendants. Et tout ça se passe par un système de flux, de déplacement, de matière, d'air, etc. Faut imaginer que de voir par exemple rien que le système techniciste qui a été géré, mettre tout dans 80% des matériaux sont rejetés dans les égouts, par exemple, c'est des éléments qui vont être parce que la ville est perméable. Et ça, c'était un système de on prend un élément, on le récupère, c'est parti d'un système bien plus vaste. Si je prends cet exemple de l'eau, effectivement, on est relié entre bien plus de phénomènes. Et pareil pour les processus de construction et la question de la matière, qui est un enjeu primordial dans un cycle qui va dépasser finalement le moment où on va utiliser un matériau d'une durée précise qui va servir de logement, mais qui à un moment ou à un autre va avoir une seconde vie parce que
imaginons que ces bâtiments, eux aussi, vont à un moment ou à un autre vivre autre chose. Donc il faut imaginer ces constructions, hein, et on partira de là pour parler de la transmatière qui est en fait tout dépassement temporel. Et... Donc là, dans les réponses tout à fait actuelles, il y a celle, on a parlé des Pritzker 21. Justement, un changement sur les choix de Pritzker, puisque cette année, c'est Libello Francis Kiré. Donc là, vous voyez un de ses premiers projets. Il n'était pas encore diplômé à l'époque. C'est l'école de Gando, au Burkina Faso, donc dans son village. Il a débuté en 2001, il est diplômé en 2004 à Berlin. Et là, comme lui, son mantra, c'est la question de d'offrir la même qualité d'architecture à tout le monde, aux pauvres et aux riches. Là, l'idée est très simple, d'une certaine manière, c'est d'associer en fait non seulement des pratiques, des savoir-faire vernaculaires, associés évidemment aux ressources qui sont sur place, mais aussi aux ressources humaines pour qu'elles puissent, les habitants puissent réapproprier leur propre savoir-faire et donc possiblement d'ailleurs s'émanciper d'autres pratiques qu'on viendrait leur imposer. Donc là, on est dans ce tout petit projet en taille, en tout cas, énorme en résultat. On a cette double impact. On répond évidemment à la demande de cette école, donc ça c'est déjà formidable, mais on répond et à la question sociale et à la question écologique qui trop souvent ont d'ailleurs été dissociées. Et du point de vue du métabolisme, aussi bien des habitants que de la matière, là on est dans une circularité totale, et donc on a à la fois des matériaux biosourcés, mais surtout des matériaux ici, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas nécessité de transporter sur des dizaines de milliers de kilomètres. Voilà. Effectivement, quand on se retrouve face à ces enjeux en tant qu'architecte, à savoir la question du choix des matériaux, de l'impact, de la localisation, de ce qu'on va en faire, sont toujours complexes et variées. Et en fait, on ne fait que vous ouvrir cette complexité. Vous verrez au fur et à mesure les outils qu'on vous proposera à la fin pour en tout cas continuer d'aborder ces éléments avec cette complexité-là, en l'acceptant et en n'ayant aucune peur ou quoi que ce soit, mais en tout cas une véritable désir de prendre cette multiplicité. Pour parler bien sûr de questions de transmatière et de métabolisme, on ne peut ignorer le travail de Wang Shu, qui pour le musée de la ville de Ningbo avait utilisé pour la première fois, il avait réactualisé un savoir-faire chinois ancestral qui s'appelait le Wapan, qui est la récupération des briques ou des éléments du bâtiment déjà construit. On vous parlait de métabolisme, on vous parle de ville comme un espace, on vous parle de ressources, mais est-ce que la ville en elle-même est capable d'être la propre ressource de ces constructions? Imaginons-nous, bien sûr, la question du réemploi dans sa totalité espace urbain, d'imaginer des bâtiments dans lesquels nous pourrions continuer et perdurer à piocher, en se disant « Ah, ce bâtiment n'a plus d'usage, on va pouvoir en récupérer des parties et on fabrique, en quelque sorte, ce palimpseste » comme celui-ci que Wang Shu a créé en disant « je vais faire un musée de la ville ». Il va utiliser seulement les débris des déconstructions qu'il y a présent dans toute la ville de Ningbo, et le musée de la ville en lui-même est une réécriture de tous ces bâtiments démolis autour du musée de la ville. Le contenu n'était pas là, il ne savait pas ce qu'il allait avoir dans ce musée, mais le bâtiment lui-même devient ce manifeste. Ce qui est intéressant dans cette idée de vie et de mort qui est inscrite à l'intérieur des bâtiments en Chine, c'est-à-dire que la maison et la famille s'habillent de la même manière. Si la famille n'existe plus, la maison n'a plus de raison d'être. Effectivement, induit un système constructif où tous les murs en briques sont juste avec du mortier en terre pour pouvoir les démolir. Il suffit de donner beaucoup de masse. On peut récupérer les différentes briques et les différents éléments. Au cas où la famille se déplace, on peut au moins récupérer toutes les briques et les éléments en bois qui sont que des systèmes de sans clous ni vis. Imaginer quelque chose qui est montable, démontable. En bref, imaginer la mort de son bâtiment. Imaginer, non pas une mort, mais une déconstruction, une désolidarisation, et de voir que tous ces éléments épars, en fait, peuvent être réutilisés jusqu'à la capacité optimale, on va dire, des éléments, des petits éléments qui constituent l'architecture. Et là, le musée de Ningbo est un des exemples, en espérant que Wang Shu se pose la question lui-même
suite de la propre déconstruction de ces bâtiments un jour. Imaginons que potentiellement ce bâtiment puisse lui-même devenir logement. De ne pas y travailler avec la question de la construction sur un dernier, mais dans une construction qui est en perpétuelle transformation par la matière. Et l'autre exemple, bon, on vous montre chinois, désolé, c'est un tropisme avec la Chine, c'est le travail de Liu Jiakun, qui encore une fois avait fait un projet après le tremblement de terre dans Sichuan. Il avait pris tous les déchets, tout ce qui était considéré comme déchets de construction, les maisons qui venaient d'être détruites, de ces gens qui venaient de souffrir la démolition de leur village, de leur ville entière, suite au tremblement de terre. Il a fabriqué seulement une machine pour refabriquer des briques avec des éléments qui étaient broyés, mélangés, et donner ça aux différents outils. Une petite machine toute simple pour fabriquer des briques. Et il appelait ça reverse brick, qui permettait aux gens de reconstruire. Non pas en récupérant forcément les briques, parce que c'est un mélange de... C'est pas la même situation. Et de proposer finalement quelque chose de composite qui permettait aux artisans de proposer eux-mêmes d'être constructeurs dans leur activité avec ce qui était les déchets aussi dévastateurs. Alors là, vous reconnaissez Marseille ? Vous reconnaissez Pouillon, donc on est au cœur de Marseille, c'est le vieux port. Il faut imaginer que ce vieux port a été largement pilonné à la fin de la guerre par à la fois les Alliés et évidemment l'Allemagne nazie. Et donc Pouillon, qu'est-ce qu'il fait ? Donc on est dans une période où la question du logement est absolument centrale après la guerre, pour des raisons de destruction, mais aussi pour des raisons d'accélération des zones rurales en France en particulier, mais pas que. Et là, il construit en pierre massive, et il construit avec des pierres qui viennent des carrières de Provence, des carrières de Fontvieille, donc dans les Alpilles, donc très très proche de Marseille. D'ailleurs, c'est quelque chose d'important pour lui de faire vivre une économie locale. Et alors à l'époque, il n'aurait pas parlé de métabolisme, bien sûr, puisque je rappelle que ce projet est livré en 1953. Hein, donc, ce n'était pas tout à fait le vocabulaire qu'on utilisait. Mais en tout cas, il y avait cette question. Ben, c'est pareil, il ne parlait pas de biosourcé, ce n'était pas du tout son vocabulaire. Mais il y avait cette question d'abord de la beauté de la pierre, hein, et surtout de cette idée que la pierre. C'est quelque chose que l'on peut justement réutiliser. Hein. La pierre, les villes françaises sont construites là-dessus. On a, après la Révolution française, déconstruit des centaines de couvents et d'églises, détruits pour certains intérêts, et on a construit autre chose avec. C'est-à-dire que ce métabolisme-là a fonctionné très très bien finalement jusqu'à l'avènement d'autres matériaux modernes qui ont permis d'ailleurs l'érection d'architectures absolument fabuleuses aussi. Mais si on décale le regard et si on le regarde au travers des problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui, qui sont celles de nos enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants qu'on ne connaîtra pas forcément, on regarde les choses d'une autre manière. En fait, c'est ça pour nous. Cette introduction à l'anthropocène via la question de l'architecture, c'est juste de décaler les choses pour essayer de remettre les enjeux à leur place. Donc, Pouillon, sans le savoir, en l'occurrence, avec ce projet, répondait aux questions qui sont les nôtres aujourd'hui. L'anthropocène bouleverse notre système de normes et bouleverse de manière systématique l'interprétation que nous avons fabriquée. Bruno Latour annonçait déjà nous n'avons jamais été modernes. Il faut l'imaginer dans une pluralité d'impact, c'est-à-dire se dire que l'espace normatif que nous avons fabriqué dépend aussi de cette idée de ce que nous faisions de la modernité. Et cet espace-là évolue, et on se doit de le faire évoluer, et il va évoluer à travers, bien sûr, un système juridique. Là, bon, tu enchaînes ? Bien sûr, moi je vais lire Isabelle Michalet, j'adore. L'instrument juridique n'est pas seulement construit par des instances dominées par le politique, il est aussi l'expression de choix sociétaux et citoyens, et doit être utilisé pour répondre aux défis de l'anthropocène.
Afin de mettre en évidence les potentialités, il faut oser questionner certains postulats et s'engager dans une réflexion prospective nourrie des apports d'autres disciplines et cultures juridiques. Voilà. Isabelle Michel, juriste. Alors, ce qui est intéressant par rapport au fait que le juriste a posé ces questions-là, vous vous rendez compte de la créativité du droit, cette force imaginante, comme le dit Delmas Marty, qui est en droit, c'est-à-dire que l'espace juridique est aussi un espace de fabrication, comme on l'imagine. Et cet espace de fabrication, il est par et fabriqué avec des questions et avec des individus. Et si je prends le premier exemple qui est ici, qui s'appelle un pain rouchu ou un quartier qui va être considéré comme informel, on est dans de l'auto-normalisation, quelque chose qui est en fait interdit de fabriquer les étages supplémentaires que vous voyez à partir du R plus 1. Hein, bah, en Chine, tous les espaces construits au-dessus sont interdits. C'est interdit. Mais à une période, c'était légitime, on va dire politiquement et socialement, de le faire. Ça restait interdit. Et les gens ont fabriqué cet espace supplémentaire et continué de construire. Ce qui est très intéressant quand on regarde à travers tous les systèmes, c'est qu'on découvre de manière fondamentale qu'à l'intérieur, il va y avoir un système d'auto-régulation et d'alternative. On ne pose pas un climatiseur n'importe où sur une place. On ne peut pas poser n'importe où son linge, il coulera sur le voisin. En bref, le système de normes et de fabrication de l'espace collectif est systématiquement en question entre eux. L'autre espace de fabrication, en fait, ou la transformation de la norme, n'est pas faite par un système d'autogestion, dépasser la norme, c'est aussi interroger la norme par des biais, notamment à ce qu'a fait Chen Haohu dans le vallon écologique de Taiyang Commune, dans ce superbe projet de porcherie en banque. C'est très intéressant au-delà du fait que ce projet est un vallon écologique, c'est que le bambou, en termes de construction pour l'habitat et la terre, en Chine, sont interdits dans les espaces habités. C'est interdit pour l'homme. Du coup, le fabriquer pour les porcs est un système d'exemplarité pour dire, regardez, on arrive à le faire pour les porcs, pourrions-nous le faire pour les hommes ? C'est de passer par un système respectueux par les animaux pour éventuellement interroger la capacité de le faire dans un espace. Alors là, on est vraiment dans un renversement total, hein, dans la condition animale et aussi sur la transmission venant de l'animal pour l'animal. Alors, pas tant que ça, parce qu'on est passé loin des porcs. Je pense d'ailleurs qu'on est assez proche des porcs. Donc, ça, c'est le projet de Patrick Bouchain, les Bocs du Blat à Beaumont, en Ardèche. Donc, il fait partie de ce qu'il a appelé le permis de faire, que vous connaissez très probablement, et qui était l'idée d'ouvrir la possibilité d'expérimenter collectivement dans le cadre d'un projet ou d'un chantier. Donc là, en l'occurrence, c'est un chantier, en dérogeant, si besoin, aux règles de droit. Donc, dans ce projet-là, on est dans une commune rurale de l'Ardèche, et on a des jeunes agriculteurs en particulier, ou artisans, qui ne peuvent plus se loger. Donc c'est ça la question qui est posée à Bouchain et à son équipe. C'est comment on fait, avec la réglementation, en détournant un certain nombre de choses, en trouvant des économies ici et ailleurs pour faire ce projet. Malheureusement pour Bouchain, il a cru qu'une loi serait peut-être importante, puisqu'il y a une loi qui a été votée donc à partir de cette question-là, qui a pris en compte cette question du permis de faire, une loi de 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, dont l'article 88 est dédié à cette chose-là. Mais malheureusement, c'est le risque qu'il avait d'ailleurs envisagé, c'est que cette règle est suivie, est plutôt approchée de manière techniciste. Alors que ce qui intéressait Bouchain, c'était au contraire de faire de la jurisprudence, et c'est au contraire que cette loi soit vivante. Donc, il y a un moyen d'expérimenter autrement, peut-être à côté de cette loi. D'autres personnes qui vont interroger ce système-là de... C'est Feda Wardak, qui ces dernières années fait partie des architectes en France qui vont montrer une voie différente à travers l'implication dans un site, dans la lenteur et dans le temps,
qui va amener à une implication de la population, comme nombreux de ces personnages dont on vous montre, parce que effectivement, s'interroger sur les alternatives, c'est souvent aussi regarder les espaces qui sont à la marge. Et son travail qui est à la marge, finalement, implique un nombre d'habitants qui habitent les lieux. Et ce qui est fort dans le déplacement des normes, la facilité qu'il va avoir, c'est que derrière ces projets-là, il va impliquer tellement les habitants que les jeunes qui vont fabriquer des machines à eau vont apprendre des mécanismes et des rouages, c'est-à-dire qu'ils vont en devenir gestionnaires. Ils vont se positionner, hein, parce que la question finalement de l'engagement en architecture des transnormes aussi, ça interroge sur la question de l'engagement. Qu'est-ce que nous pouvons faire et à quel point on est engagé pour sortir du cadre normatif. Par exemple, dans la question de c'est mon choix, est-ce que c'est moi qui prends la décision de faire une grande solution. Et là, c'est des architectures ou des architectes qui vont amener des espaces où on va pouvoir essayer de faire paraître finalement des manières de transmettre des mécanismes, de transmettre des espaces pour faire différemment ou des manières d'envisager une exemplarité d'un espace simple. Et le dernier point d'abord sur cette, c'est trans espèce. Je vais commencer par la citation d'Olivier Allant. Donc, dans un environnement toujours plus incertain et donc ouvert, ce scénario du good anthropocène pourrait paraître bien fragile, paraît pourtant bien fragile. Une troisième voie existe, les limites planétaires pourraient plutôt nous inviter à considérer notre sol infini, celui des interactions. En s'inspirant du vivant systémique par nature, nous pourrions notamment apprendre à construire notre adaptabilité. Ce monde d'après est en fait déjà là. Qu'est-ce que veut dire Olivier Allant ? C'est qu'en effet, notre monde a jusqu'à présent, notre monde occidental a jusqu'à présent souvent cela, mais nous sommes en interrelation, c'est-à-dire que nous sommes dépendants des autres vivants. C'est moins vrai d'ailleurs que les autres vivants sont dépendants de nous, ça par contre, mais en tout cas nous sommes dépendants des autres vivants, nous sommes dépendants de la pollinisation, sans elle la culture, nous sommes dépendants des vers de terre dans le sol, parce que sans eux le sol est impropre à la culture, et j'en passe à des manières, nous sommes dépendants des oiseaux parce que sans eux sans les oiseaux il n'y a pas non plus de fertilisation, etc., etc. Donc cette chose-là est absolument fondamentale et donc reconditionne nécessairement la manière de faire de la ville et de l'architecture. Ce que évidemment aussi finalement, et je vous montre à travers ce petit exemple de patrimoine qui s'appelle Shenlo à Shanghai, qui est une ancienne librairie qui date de la période Ming, vieux bâtiment au plein cœur de la ville de Shanghai, c'est la question de la lenteur. C'est la question de la coopération, c'est-à-dire d'avoir un système qui va fonctionner non pas avec un algorithme défini d'un point du problème vers une solution en donnant une donnée, mais de voir tous les systèmes de coopération et qui vont fabriquer en fonction de ce qui va se passer tout autour pour finalement s'adapter. Pourquoi je vous montre ce bâtiment-là ? C'est pour vous dire que ce cheminot, ce bâtiment, a été laissé en quelque sorte à la merci du temps. Et seule une habitante était à l'intérieur de ce logement. Et à ce moment-là seulement, pendant environ 50 ans, le bâtiment, lui, il va faire place à d'autres vivants. En rentrant en plein centre de ce lieu, plein centre de la ville de Shanghai, les images que vous avez faites pour elle, va retrouver la place du végétal, va retrouver la place des grenouilles, c'est incroyable, il y a des grenouilles à l'intérieur, il va y avoir des insectes, il va y avoir des criquets, il va y avoir toute cette vie-là, qui, à travers le temps, va prendre place. Parce que l'homme, à cet endroit-là, ne va pas y faire d'action. C'est-à-dire d'imaginer que dans cette lenteur, parfois l'humain, hein, en tant qu'humain, on va souvent agir. On va agir maintenant, on se peint pour le mur en blanc, enlever les différents éléments, mais en fait, on oublie de créer des incestis, terstis, ou d'autres formes de vivants vont trouver une place. Car un des éléments forts de ce que nous dit Anthropocène, c'est que l'humain, finalement,
la planète, elle restera et elle trouvera son chemin. Elle fabriquera quelque chose. Et ça, il ne faut pas s'en inquiéter. Et au final, d'un point de vue géologique, finalement, les traces des villes resteront poussières dans des milliards d'années. Et ce n'est pas vraiment un problème en soi. Et la question d'un petit déchet, parfois, devient anecdotique si on regarde avec ça. Et regardons-le à travers notre échelle. Cette échelle de vie, c'est cette échelle de chaîne d'eau qui a traversé plusieurs siècles et plusieurs générations et qui se retrouve dans cet état de temporalisation qui vous montre et vous traduit la coprésence d'éléments humains et non humains dans un même espace ouvert, celui de vous. Notre élément de transmission ou transespèce est ce magnifique bâtiment en Malaisie qui est une grande surprise d'imaginer que les espaces qui vont être laissés en quelque sorte à l'abandon peuvent devenir des enveloppes dans lesquelles se produisent quelque chose, qui vont, comme on va le repérer par exemple dans les marges, dans les marges de la société à Matsing, dans les champignons de la fin du monde, va montrer tout ce système qui d'un seul coup, des shiitake vont pousser ici, qui vont revendre au Japon, qui montre cette interdépendance, et que ces gens à la marge vont aller récolter, vendre, etc. Ici, c'est le même exemple, mais basé sur un système d'un bâtiment abandonné administratif qui ne veut plus rien dire, qui ne sert plus à rien, qui d'un seul coup est percé à travers ses fenêtres, et en Malaisie, justement, ils vont fabriquer de la bave d'hirondelle et des nids d'hirondelle qu'ils vont vendre à haut prix aux Chinois. Les Chinois qui vont utiliser ça pour avoir une longue vie, faire des desserts et de la médecine traditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce lieu-là devient par nature un hôtel à hirondelle. Parce qu'il y a une ouverture, une première hirondelle va venir, elle va nidifier et elle va s'installer à l'intérieur d'un élevage. Elle va devenir un élevage. Le fait que ce soit un élevage, ce n'est pas là l'exemple que je veux donner. C'est-à-dire qu'on va retrouver la main de l'homme qui va transformer un lieu. Mais malgré tout, c'est l'entrée et sortie des hirondelles. Pour une fois, hein, c'est un élevage complètement ouvert et libre. Et que pour que les hirondelles soient heureuses et produisent de la bave, il faut qu'elles se sentent bien. Et il faut qu'elles soient libres. Et donc, elles doivent pouvoir faire de l'aéroport. Donc, il y a des bâtiments dans toute la Malaisie pour produire cette bave. Mais il faut imaginer que tout espace peut devenir un producteur potentiel de bave d'hirondelle. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour imaginer des possibles sur ce que l'architecture est capable de fabriquer que l'on ne peut même pas imaginer, que nous ne sommes pas capables d'imaginer. C'est des exemples qui sont importants à prendre en compte sur la capacité des espèces. Et là, c'est un moment de récupération par l'homme, certes, mais un lieu de nidification qui existe de partout dans le monde. C'est un projet très récent, vous connaissez peut-être la ferme de Rail, qui a été portée par un collectif auquel participent Clara et Philippe Simet. Donc Clara Simet est architecte, Philippe Simet est professeur de philosophie à Paris-Belleville, et auteur du cycle sur Arte qui s'appelle Habiter le monde, donc qui va autour du monde apprécier la diversité des réponses qui sont offertes à différents habitants. Et donc là, la question qui a été posée et qui est réalisée, puisqu'on n'est pas dans simplement la théorie des choses, mais la mise en pratique, c'était comment les habitants, y compris les plus défavorisés, peuvent devenir les acteurs de la transition écologique et sociale, comment envisager d'autres façons de travailler et d'habiter plus pérennes, comment partager plus équitablement les ressources d'un monde commun. Et donc, voilà, ils ont répondu donc avec un espace, avec un chantier et avec une réponse qui aujourd'hui satisfait pleinement ses usagers. Ce qui est assez intéressant et peut-être surprenant pour vous de montrer un exemple comme celui-là dans la question des transgresses espèces, c'est cette relation qu'on peut avoir finalement sur la manière dont l'habitat participatif et collaboratif humain déjà des rapports aussi entre notre propre espèce, entre humains. C'est-à-dire ces rapports de cohésion qu'il va avoir sur la fabrication collective et la prise en soin de ces différents éléments font partie des systèmes coopératifs qui sont présents dans tous les éléments de la nature, notamment la constitution. Que les éléments coopèrent et que toutes les cellules puissent fonctionner les unes avec les autres en fonction de l'altérité et de la différence.
lorsqu'il y a de la transmission, et ça c'est l'image de surprise, attention, en friche, Valérie va tout de suite revenir, interroger effectivement sur intéressant, c'est poser la question de la friche, non pas comme des lieux dans lesquels on peut y faire des possibles. C'est toujours cette vision humaine, hein, d'imaginer un tiers lieu où l'espace en friche est un lieu dans lequel on doit finalement intervenir parce que c'est un lieu de rêve sur lequel on va pouvoir y produire. Or, laisser la place à et imaginer d'une certaine manière ce que Valérie appellerait. Le monde est en friche, oui. Oui, c'était, en fait, c'était une idée toute simple, c'était de revenir à ce qu'est à l'origine du mot friche, hein, qui au départ est lié au monde agricole, et qui est une forme ancienne de ce qu'on appellerait aujourd'hui la permaculture, hein, très simplement, c'est-à-dire qu'on laissait de manière tournante un champ se reposer pendant qu'on cultivait un autre pour ne pas épuiser les sols, un an, 2 ans selon les cultures, et puis on y revenait, etc. Et je trouve que cette chose est tout à fait intéressante dans tous les espaces, qu'ils soient peu ou fortement métropolisés ou un peu métropolisés, de se dire que le fait de laisser du temps, de l'espace-temps à un espace pour que, en effet, les autres vivants d'abord puissent y reprendre leur place un peu tranquillement pour peut-être demain être impossible pour quelque chose d'autre, et puis laisser cet espace-temps. On parle toujours d'urgence, mais on a aussi une urgence qui est de ralentir, comme tu disais tout à l'heure, mais aussi de, voilà, de ralentir pour réfléchir, pour se poser, pour choisir les acteurs avec lesquels il faut travailler. Donc, voilà, puis là, les coyotes sont revenus. Oui, effectivement, il y a pas mal de coyotes dans certaines villes américaines. Donc, tout ça pour revenir sur les différents points de santé qui sont finalement la question de transcender de la transmatière qui va interroger les transnormes et transespèces pour en arriver à un point central. La transdisciplinarité en architecture n'est pas encore vraiment présente ou ouverte, elle est déjà relativement forte et puissante par rapport discipline, parce que nous sommes des maîtres d'œuvre, parce que nous travaillons avec tout un écosystème d'ingénierie technique, sociale, protection des feux et forêts, etc., déjà existe. Hein, nous avons cette habitude de travailler avec des disciplines qui ne sont pas les nôtres. Parfois, ont été divisées, voire appelées savoirs relatifs à l'architecture. Or, c'est des savoirs inclusifs à l'architecture. Et la transdisciplinarité, c'est de pousser plus loin. C'est de rentrer sur la question de la rentrer sur la question de la qualité de l'air, c'est de travailler avec des chimistes, avec des physiciens, c'est de travailler évidemment avec des spécialistes, on va dire, de météorologie, parce que reste encore des éléments ainsi. C'est de retravailler avec les questions, c'est ce que nous faisons, essayer de trouver tous ces modèles. Et cette lenteur que d'une certaine manière, dans l'urgence, c'est de réussir à chaque fois, réussir à ouvrir finalement les enjeux que vous portez et que vous tenez. Un des exemples que je vais vous montrer à travers une recherche de thèse, à l'École urbaine de Lyon, on a 27 doctorants qui travaillent sur différents enjeux et qui représentent plus de 20 disciplines différentes. Tous sont rejoints sur différents sujets. Et vont se croiser. Et finalement, même là, l'interdisciplinarité, le moment de fragilité où on va se retrouver face à quelques spécialistes de droit et que ce n'est pas du tout notre sujet, et que malgré tout, on a des interrogations sur ce sujet-là, il faut être capable de pouvoir en parler et d'interagir, tout en gardant notre propre compétence ou activité, et ensuite pouvoir réussir à fabriquer cette interdisciplinarité. Eh bien, c'est un phénomène où, par exemple, je vous montre un exemple très concret du travail de Marc Grand, qui fait une thèse en microbiologie sur les processus et conséquences de la biorémédiation en milieu urbain et qui travaille avec une entreprise à Lyon qui s'appelle De la Terre Industrielle à la Terre Fertile, qui va refabriquer un système où ils vont réazoter les sols à travers différentes temporalités. Ils fabriquent ça en milieu urbain avec tout un système de biotopes, etc., pour vérifier. Et elle travaille en tant que scientifique dans son laboratoire de microbiologie pour vérifier la quantité d'azote présente dans le sol. En d'autres termes, elle va faire des carottes de 30 cm pour vérifier la présence du vivant et la capacité du sol à être un espace fertile. Question fondamentalement intéressante sur un protocole, on va dire expérimental, de microbiotologie sur un
amener à toute une réflexion sur son processus. Mais ce qui est intéressant, et ce qui va plus loin, c'est de se dire que ces enjeux qu'elle est en train de poser ou qu'elle est en train d'observer sont en écho avec le travail d'un doctorant qui, lui, travaille sur les ambiances urbaines et modélisation de micrométéorologie avancée. Hein, je passe la suite de thèse, mais qui va poser la question des îlots de chaleur. Et de voir finalement cette interrelation et de l'interroger scientifiquement au croisement des deux disciplines. C'est-à-dire une activité de refertiliser du sol qui en même temps va avoir un impact à micrométéorologie, perte de température sur le lieu, qui peut elle-même avoir un impact sur la fabrication urbaine de l'entièreté du territoire qui réussit cette terre pour refertiliser et qui va prendre ses arbres. C'est, je vous montre un exemple, c'est pas, on ne va pas dire qu'il faut le prendre comme un système d'exemplarité dans la manière d'appliquer des choses, mais de s'interroger sur les espaces où, en fait, il faut continuer de s'interroger sur les interdépendances. Même si dans la fabrication de ce que nous sommes en train d'observer, dépasse fondamentalement les autres interrelations et effets qui sont en rétroaction. Un autre petit exemple sur la transdisciplinarité, on va vous laisser là parce qu'on a bien dépassé l'heure. C'est par exemple un travail d'analyse du pays de l'Arbrelle, où là on se retrouvait avec 10 disciplines différentes à analyser un territoire sur une période d'une semaine, avec en parallèle des architectes, des artistes, des urbanistes, une scénographe, et on va mélanger ces disciplines, les curateurs, on va mélanger ces disciplines pour fabriquer une analyse du territoire complexe. Imaginez-vous que vos analyses de territoire que vous fabriquez aujourd'hui seraient nourries par quelqu'un qui est capable de faire une analyse finalement des bassins d'orage et qui va vous expliquer quelle est la qualité de l'eau, et quelqu'un en parallèle qui va faire des analyses de la qualité de l'air. C'est-à-dire notamment Roulane Verma, qui était là doctorante en chimie de l'air, qui analysait la qualité de l'air comme la source du territoire. D'autres personnes qui regardaient le système de cycle des matériaux, de la pierre, du déplacement des lieux. D'autres qui vont le regarder d'un point de vue artistique, avec la question finalement des champs, de la couleur, de la terre, de la pierre, et de rentrer dans un système où on a fabriqué cette carte collective, où là chacun va mettre ses enjeux et ses différentes problématiques, et on va se rendre compte qu'elles sont en perspective, qu'elles sont reliées avec des éléments forts qui ne sont pas de la science fondamentale. On n'est pas dans la recherche fondamentale à ce moment-là, et on l'accepte. On n'est pas dans de l'art non plus, et on ouvre des pistes sur une lecture de territoire qui permet d'être appréhendé à travers un filtre qui, là, est une première lecture plurielle et transdisciplinaire sur les enjeux. De comprendre finalement que les enjeux des bassins d'orage, le problème qu'il y avait avec l'agriculture entre les parties de propriété en haut des sols et finalement la ville en bas, va faire qu'il va y avoir l'eau qui va venir à l'intérieur de la rivière, que les pierres qui sont présentes à chaque endroit sont reliées avec l'espace. Et de dire que fondamentalement, cette ville qui justement réutiliser le système qu'on expliquait tout à l'heure, qui se construit avec les débris des éléments que l'on déconstruit. Une abbaye dans une des communautés, les éléments de pierre ont été réutilisés, reconstruits dans l'entièreté du territoire. C'est des éléments qu'on a pu voir, analyser, retranscrire finalement de manière collective. Je pense que l'apport des différentes disciplines dans des analyses comme celle-ci, vont devenir de plus en plus nécessaires pour être capable d'agir sur un territoire donné. Et voilà une des leçons que nous transmettre sur la question de la transdisciplinarité, c'est la fragilité et la difficulté qu'on a de s'approcher de ces disciplines-là, mais la nécessité de le faire. Quand on se pose des questions sur l'impact de ce que l'on produit, effectivement, c'est que l'architecture est déjà très vaste, et parfois un peu inquiétant, on doit se poser la question du dernier interrupteur pour allumer la lumière. Mais malgré tout, je pense qu'il faut réussir, hein, et qu'on ait un métier qui fabrique, façonne ce paysage-là, et qu'il faut qu'on l'ouvre à cette pluralité où l'architecte n'est pas le porteur unique d'un fonctionnement de résultat. Merci. Sommet, plein d'éléments qui sont, on l'espère, par rapport à travers des thèmes sur lesquels vous pouvez vous approprier finalement ces enjeux. La question aussi, c'est de sentir et de voir ça. J'écoute. Il y a des questions, mais à votre disposition.
c'est un nous avions monté avec différents acteurs. On était à la taverne de Saint-Berg à l'époque, on était à la taverne de Joël du Chaubeau, et on travaillait c'est ce que tout le monde appelle espace alternatif finalement. Et à l'intérieur de ce groupement, une équipe pourrait être artistique, de fabrication, artistique dans le cas. Et dans ce projet-là, on travaillait déjà en espace, ce qu'il a dit, on a 4 ans. Ça partira d'une enquête et ça partira d'une étude qu'on va présenter et que nous allons présenter également à travers les où on a remporté cet appel de projet et on a fait cette deuxième confinement. Enfin bon, ça a été une affaire, mais au final, on a tous réussi à fabriquer ces enjeux-là et cette idée d'analyse d'implication sur le terrain. On va servir de journal, on va être lancé dans la carte va recevoir. C'est une mauvaise idée, je pense. Alors, si on pose la question de la création artistique, censé être les opposants. Eh bien, c'est que nous, on perd la bataille. Il n'y a pas un combat, mais dans cette interrelation totale. Et là, je pense qu'on est vraiment à ce moment-là, la réussite, elle est là et elle se positionne là dans cette interrelation complète. C'est-à-dire de se rendre compte que les décisions qui sont prises sont toujours à regarder à l'aune du règne. Donc ça, c'était un projet très intéressant. Après, la transdisciplinarité, il faut réussir à la fabriquer de manière consciente dans le métier. Il va falloir de plus en plus aller vers ces disciplines que nous ne connaissons pas. Il y a plein de peu ou pas assez spécialistes. C'est sûr, c'était par exemple la partie de l'histoire, le travail de la pierre, ces éléments-là, il y en a plein d'autres. D'autres questions? On va regarder si les gens...